Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Voici sur la suite de l'aventure de Dragon Ball Z Kakarot. Nous sommes à peu près dans un entracte, donc je vais faire ce que je peux. Mais à partir du moment où on est lâché, avant d'aller vers Namek, faire l'histoire vers Namek et tout l'arc Freezer, on va quand même essayer de monter un petit peu le niveau des persos pour gagner un peu en flexibilité et aussi débloquer les différentes attaques des personnages. Ça ne veut pas dire que je vais faire tous les personnages parce qu'au bout d'un moment, il y en a une vingtaine de disponibles entre Yamcha, Tenshin Han, Chaozu, Krillin, Sangohan, Trunks, enfin bref, vous avez toute la liste et il y a au moins 20 personnages à faire monter de niveau. C'est assez long, assez fastidieux, donc on va pas non plus tous les faire, on va essayer de s'en faire le mieux pour vous dire, c'est qu'il y en ait 3 qui soient vraiment dans l'équipe et qui sont maxés. Donc moi ce que j'avais fait la première fois où je l'ai fait, j'ai fait Sangoku, Vegeta, Sangohan. J'avais fait ces 3 là, et ça s'est bien passé, donc voilà. Sur ce, nous allons démarrer cette partie. Donc Shishi nous demande d'aller chercher une recette qu'on va aller chercher évidemment. Je vais aller dans cette petite maison, il y a du rouge, il m'en faut, hop. Récupère quelques éléments aussi au passage. Alors c'est où? C'est un petit peu sur la droite. D'accord, donc c'est derrière les montagnes, ok. On va en profiter pour ramasser le verre qu'il y a sur le chemin. C'est toujours bon à prendre. Pas sûr de... Pour l'instant, quoique les combats s'y allaient, c'est pas ça, votre aide. Tout à l'heure, j'ai gagné 800 d'expérience. Les robots, les petits robots, là, il faut les claquer en premier. Mince. Aïe. J'ai eu un peu de chance, hein. Faut pas vous mentir. Donc les bleus, ils font des morsures. Les rouges, ils font des missiles. Ok, c'est un choix, tiens. Un temps d'XP. Donc c'est plutôt pas mal. Là, faut que j'aille là. Hop. Wouhou. Si je les vois pas aussi, ça va être compliqué. Ok. C'est juste là. Parfait. Oh, il y a l'air d'avoir pas mal de ressources. Et en général, qui dit racine, il dit médaille des... Dès qu'il y a des racines comme ça dans le jeu, il y a des médailles, les gars. C'est... Cherchez même pas à comprendre. Les devs, ils se sont dit, on va les cacher en dessous. C'est qui? C'est ce monsieur, cette dame. Ok. Maman. Tu connais bien ma maman, pas vrai? Mais qui es-tu? Oh, salut, je m'appelle Sangohan, je suis le fils de Shishi. Mais oh, mais tu es le petit garçon de Shishi. Ta mère m'a aidé de nombreuses fois, tu sais. Chaque fois que je me fais attaquer par des loups, je ne sais quoi, elle est là pour me sauver. Mais quoi? Peut-être qu'ils sont attirés par l'odeur des ingrédients frais que j'achète. Ça rend mes courses très palpitantes, crois-moi. Ah oui, pas facile. Oh, pardonne-moi, tu as besoin de quelque chose? Ouais, c'est vrai. Je crois que tu as donné une recette à ma mère l'autre jour, mais elle l'a perdue. Ça ne te dérangerait pas de nous dire à nouveau ce dont il s'agissait? Okay. Oh, la recette, bien sûr. Je dois une fière chandelle à ta mère pour ce qu'elle fait pour moi. Tiens, je vais lui écrire une lettre que tu pourras lui transmettre. Quelle gentillesse. Quelle bienveillance. Et voilà. Merci. Tiens, tu peux prendre ça aussi. Oh, c'est ingrédients aussi. Ça me gêne de prendre tout ça. Oh, je t'en prie, serre-toi. J'en ai trop acheté de toute manière.
D'accord, merci. Passe le bonjour à ta mère. Et dis-lui que j'aurai certainement encore besoin qu'elle me sauve à l'avenir. Enfin, j'espère ne pas me faire attaquer tant que ça. D'accord. Ah, c'est tranquille. Attendez, je vais juste. Elle est où ma souris là? 2 secondes, attendez. Je vais juste bouger un petit peu la caméra, voilà, comme ça. Comme ça, vous pouvez voir la barre de vie. Qui d'ailleurs, mais c'est pas encore bon. Allez, on va y arriver. Hop. Voilà. Ça devrait être bon. Parfait. Bah du coup, il n'y a plus qu'à rentrer. Ah, l'attaque! Attends, qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais où je suis? Bah oui. Je suis un peu plus loin, mais j'ai été soufflé par des varapales incroyablement puissantes quand j'ai repris connaissance, j'étais ici. Mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah moi je me casse en tout cas. Musique bien posée et tout. Du verre. Ah. Le bleu croque, le rouge missile. Dommage, j'aurais bien voulu un 100 damage. 555. Franchement, je suis pas loin de monter de niveau, les gars. Je crois qu'il me reste 3000 d'XP avant la montée de niveau. Ouais, et pourquoi tu descends encore? Attendez, je vais récupérer. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'un entraînement pour Gohan? Oui! Super Masenko! Par contre, niveau 20 recommandé, niveau 15. Donc, il va falloir que je monte un peu de niveau. C'est pas grave, j'y suis presque. Entrée, oui. Oh! Yamcha et Puer continuent de poursuivre Sangoku, Bulma et Oolong. En chemin pour rencontrer le roi Taureau qui détient la sixième Dragon Ball. Le duo tombe sur une jeune fille attaquée par un dinosaure. Mais si elle semble effrayée, elle parvient cependant à découper le dinosaure en deux avec la lame qui trône dans son casque. Elle tire ensuite un rayon avec son casque et réduit le dino en poussière, prouvant par la même occasion qu'il ne faut pas prendre à la légère Shishi, la fille du roi Taureau. Et ouais. Ben voilà, avec la recette, maman. Je te reconnais bien là, mon fils. Je me mets au fourneau de ce pas. Préparer un repas complet. Plat de viande. PV qui, expérience gagnée, 15%. Sensei. Plat de viande terminé. Allez, bon appétit, Gohan. Amélioration de statut plus 1625 PV plus 1 de ki plus 10 d'attaque au corps à corps. Et ça, c'est les effets du repas, donc c'est les effets sur le temps. Tu as mangé comme 4, tu te sens mieux maintenant? Ouais, c'était succulent, maman, merci énormément. ムテンロイ様も心配してたべ。分かった。僕ちょっと行ってくるよ。ずっと声目に合ってたんだし、気晴らしにいろんなとこに行ってくるといいだよ。うん。ありがとうお母さん。用事が済んだら遅くならねえうちに帰るんだぞ。帰ったら早速勉強しなくちゃなんねえし。うん。そうだね。
メハウスのみんなに元気になったこと伝えなくちゃ。あ、はい。Krillin, comment ça va? Je sais que tu aimerais te détendre après le combat, mais Vegeta peut revenir à tout moment. Je tenais simplement à te rappeler de continuer l'entraînement. D'accord. Tu t'es bien battu. Si tu t'entraînes dur, tu pourras faire face à des adversaires encore plus coriaces. Merci Krillin, je vais essayer de trouver le temps de m'entraîner. Bien, moi aussi je ferai ce que je peux. A plus tard. Un nouveau menu a été ajouté au camp d'entraînement. Un nouveau menu ? Oi, oi, oi. Hmm? Oi, kikoeru ka? Hai, kikoete imasu. Tashika, Kaiō-sama desu yo ne? Sou ja. Son Goku no musuko yo, yoku kike. Chikaku ni ookina aku no ki o kanjiru zo. Ki o tsukeru n ja. わかりました。 用心します。 海王様が言った通りだ。 近くに大きな悪の気を感じる。 Là, à l'endroit où tu as détecté le ki. Oula, oula. Oh, joli, 200 XP gratuit. Ok, ils sont plus forts. Un moins. Ok, combien? 500 d'XP, j'ai bientôt level up. Il y a encore des ennemis. Boum. 200 d'XP. Niveau 13, 10. Enfin moins. Allez, terminé. 400 d'XP. Je suis en train de... J'ai défoncé le champ. Et c'est pour mon bien. Ah, des Saibaman, non. Ils sont pas niveau 20, j'espère. Sinon, ça va être dur. Ah ouais, c'est chaud. Vous avez vu déjà pour un seul. Ça va, les autres ils attaquent pas trop, mais ils vont pas tarder. Hein. Si j'arrive à en faire tomber un avant, ils attaquent. Terminé. Il est niveau 15 celui-là. Il m'a cancel, j'ai trop de seum. Terminé. 1300 montée de niveau.
Ah, j'ai gagné beaucoup de sphères rouges. En fait, j'ai gagné beaucoup de tout, quoi. Ah ouais. C'est bien, ils se sont tous mis à l'abri. Il semblerait que des êtres maléfiques rôdent autour de la Terre. Ils ne manqueront pas de semer la terreur si tu ne t'occupes pas de leur cas très vite. Son Gohan, si jamais tu te retrouves face à quelqu'un comme ça, débarrasse-toi sur le champ. La Terre compte sur toi. À vos ordres, Kaio. Des super ennemis malfaisants sont apparus partout dans le monde. Tu en trouveras plusieurs dans chaque zone. Et une fois que tu les auras tous battus, d'autres adversaires encore plus puissants arriveront. Affronte-les si tu t'en sens capable. Ok. Hop, une boussole. Alors, regardons. Qu'est-ce que je peux faire de plus, là? Faut que j'aille chez Tortue Géniale, c'est ça? On va monter de niveau avant. Et on va essayer de choper le... la nouvelle attaque. Ah. Terminé. Allez, monte de niveau. Mais il manque combien? 700. D'accord. Ça va, ça fait deux combats. Il y a sûrement quelqu'un par ici, non? De la viande de loup. Je permets de prendre du bleu. On va aller récupérer tous les rouges. Viens par là. Boom, combat parfait. 500 d'XP, donc un dernier combat et c'est bon. Des fois, faut casser les roches pour trouver des trucs. C'est un conseil que je vous donne. Il y a des minerais qui apparaissent que quand on pète des trucs. Allez, go. Hey, laisse-moi tranquille, là, je suis en train de parler. Ok, ça se termine. Terminé. Voilà. Expulsé 1000. Montée de niveau. Parfait. Par contre, ils m'ont pas laissé récupérer tranquillement mes trucs. Voilà. Continue comme ça, tu tiens le bon bout. Allez, venez.
Terminé. Alors, c'est pas le prime. Je pourrais prendre un feu de camp. C'est là-bas que j'aille. Alors, je vais sauvegarder avant. Hein, parce que si tu commences le combat, il faut le finir. Dans le jeu, c'est comme ça. C'est la règle. Si là, je prends ce combat, je peux pas fuir. Comme je suis obligé de gagner. Quoi? Pourquoi? Pourquoi j'ai été comme celle dans mon esquive? Non. D'accord, je crois que peut-être. De l'XP. Je sais plus où j'allais là, du coup. J'allais par là, non? Ah, j'allais là. Voilà. Alors, je suis pas tout à fait full life, donc je vais commencer le truc pas full life. Ça, c'est dommage. Même les entraînements qu'on fait dans la tête, on a la vie qu'on a. Genre là, si j'étais en barre rouge, je commencerais l'exercice en barre rouge. Bon, frappe écrasante de niveau 2. Apprendre coup météore niveau 3. Ah, je peux pas la faire parce que j'ai pas coup météore. Alors on va aller monter l'arbre des attaques spéciales. Ah oui, d'accord. Il y a beaucoup beaucoup de choses. Ok, bon. Bon, on est parti. Hein. Masenko niveau 2. Masenko niveau 3. Allez, on y va. Voilà, j'ai débloqué. On va débloquer les passifs aussi. On va tout débloquer de toute façon. C'est ce qu'il faut faire. Hein. Tous les bonus, on les prend. Ok. Du coup, gamme d'attaque spéciale. Ici. Et non, j'en ai pas d'autres. Savoir-faire. Donc on en a 3, donc on prend les 3. C'est important de les mettre. Il y a pas de, pour l'instant, j'ai pas de transformation. Donc voilà. Sauvegarder. Mince. Donc, sauvegarder ici. Voilà. Et on va pouvoir. Là, du coup, je peux les 2. Météor ou Masenko. Masenko, ça va être chaud, hein, niveau 15, 5 niveaux de retard, c'est vraiment dur. Hein. C'est vraiment, vraiment dur. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est m'occuper de 1. Et ensuite, m'occuper un par un, quoi. Allez. Allez, là je le termine. Je reprends mon ki. On passe au deuxième. C'est les premiers pouvoirs. Hein. Faut pas leur en vouloir. Tilia, elle est un peu à la ramasse. Vous inquiétez pas que dans les derniers niveaux de jeu, pour les dernières techniques, l'IA, elle te botte le cul s'il faut. Hein. Faut vraiment être ultra dynamique et tout. Dommage. Mince. Ça, c'est vraiment les attaques rouges, c'est vraiment le mieux pour, à bloquer, c'est vraiment le mieux. Parce qu'en général, c'est des attaques uniques. Ok, on va peut-être le tenter, le Super Masenko, parce qu'au final... bon, de toute façon, je vais sauvegarder avant. Hein.
Eh, tu me fais quoi là? Allez. Technique débloquée. Je re-sauvegarde. J'ai pas perdu tant de vie que ça en vrai. Hein. Enfin, je crois. Sinon, il va falloir que j'aille me soigner avant de le faire. J'ai combien? En vrai, je serais dégoûté si j'y arrive pas. Elle est passée où la fumée? Bah. Bah ça alors. Ah bah elle est là. C'est pour toi. Yes. Bon, je l'ai fait manger à repas. Se reposer. Wouhou! Et c'est reparti. Pas de ce côté-là, mais c'est reparti quand même. Allez, niveau 20, Super Masenko. Ça va être plus compliqué, mais au moins si on le fait, c'est bien. Ouais, t'as comment, hein? What? Ah oui, il m'a mis mal là. Là, le but, on s'en fout, hein. Il n'y a pas de grand être ou quoi, hein, les gars. Là, c'est soit on réussit, soit on réussit pas. Il n'y a pas besoin. Hein. Par contre, ils prennent pas beaucoup de dégâts à hein, niveau 20. C'est surtout ça le problème. Ah mince, il vient de me. Ah mince. Mince, j'étais trop près. Je vais crever là, ce rythme-là. Hein. Après, c'est pas donné, hein, je vous l'ai dit, hein, ça allait être difficile. Oh, il a pas touché. Mais non, ce full combo qu'ils m'ont mis là. Pourtant j'étais en esquive. Mais pourquoi ça le touche pas? Allez, on se met un max. Mais il touche pas!
Allez, prends le Masenko cette fois. Ah, j'ai essayé pourtant. J'ai essayé. Allez, allez, c'est pas loin. Allez, c'est fini là. Terminé. Ouah, c'est pas passé loin. Hein. Waouh. Super Masenko. Personnage, gamme d'attaque spéciale. Et du coup, le Masenko qui se transforme. Masenko, pareil ici. Ok. Sauvegarde, hein, parce que j'ai pas beaucoup de vie. Le temps de retourner au heal et de repartir. J'espère qu'il n'y aura pas de combat ou pas de combat qui vont me faire trop mal. Non, c'est bon. Parfait. Donc là, j'ai pris deux nouvelles techniques. Combien il me faut pour monter le niveau? 20 000, 21 000. C'est mort. Ça ne sera pas avec les combats. Donc, on va continuer l'histoire. Ah, quoique, il y a des quêtes secondaires. Ah, j'ai débloqué tellement de zones. What? J'ai débloqué tout, en fait. Faut que je fasse les quêtes secondaires. C'est obligatoire. Dans ce jeu, c'est obligatoire. Zone ouest, oui. C'est embêtant, mais c'est comme ça. Sinon, voilà, sinon, il y aura moins de bonus de jeu. Alors, la quête, elle est en face à gauche. Je vais regarder vite fait. Au niveau des communautés, on va faire un peu de communauté. Donc là, j'ai Son Gohan et tout. Attaque qui plus 100%, ça pourrait être pas mal. La question, c'est Z 3, 5. Lui, c'est bon. Tenshin Han, ok. Donc il y a Piccolo qu'il faut que je mette. Il y a Tenshin Han. Il y a Krillin. Après, il y a un truc des bons. Voir les bonus. Yamcha. Ouais. Peut-être Yamcha. Je dois l'avoir, Yamcha. Le bonus. Maître et élève, ouais. Ok. Un plus deux. Ah oui, il n'a pas été pris en compte le bonus Yamcha et Sangoku. Donc, mince. Je vais le mettre là. Quoique, je peux prendre lui et le mettre là. Comme ça, j'ai le bonus. Ouais. Ensuite, je prends lui. Comme ça, j'ai le bonus. Ensuite,
C'était qui déjà? C'était Goku, Yamcha et Tenshinhan. Détermination à revendre. Allez hop. Donc là, niveau global, 31 rang 3. C'est pas mal. Amélioration de statut, taux de réussite, non, défense au corps à corps, expérience au combat. Si je pouvais le monter 4, ça serait vraiment fou. Parce que l'expérience, c'est vraiment insane. Vous avez vu combien on peut mettre de badges dans cette communauté? C'est abusé. Genre on peut mettre tout le monde dans la communauté d'entraînement, quoi. Orbe remporté au combat. Y a qui ici? Ah, bah je l'ai, j'ai pas encore. Et ici, ok, il y a des, c'est des persos que j'ai pas encore. Bon, c'est déjà bien, on va pas non plus passer 30 000 ans, mais vous avez compris un peu le principe. Du coup, c'est parti pour la quête secondaire. Elle est tout au bout, on le voit dans le ciel. Là, il y en a blindé des rouges, c'est bien. Sauf que moi, je veux. La quête, elle est par là. Ok, elle est là. Ah, c'est pour apprendre à aller chercher les cristaux. Qu'est-ce qui va pas, les gars? Par pitié, tu dois nous sauver, nous sommes attaqués par des robots. 4500 d'XP, mais je le fais tous les jours. Vous avez juste besoin que je détruise les robots, ça? Oui, s'il te plaît. L'empereur Pilaf a volé ses robots, mais ça a commencé à mal tourner pendant qu'on y faisait quelques modifications. Hey, t'essaies de nous faire passer pour des nuls, quoi. Waha! Attendez un peu, c'est moi que vous allez devoir affronter. Le Super Masenko. Ouais, je vais me venger, quoi. Terminé. Alors. Mince. Tu fais quoi, frérot? Trois cents plus 4600, on est sur du 6000 d'XP. Ouah, nous sommes sauvés! Merci de nous avoir sauvé la mise, qui que tu sois. Avec ces tas de ferrailles en guise de robot, qu'est-ce qu'on est supposé faire à propos du plan pour les modifier et abattre ce gamin? Aucun problème, on va juste utiliser les composants des robots pour fabriquer de nouvelles armes. Très bien, vous deux. Apportez-moi les composants des robots. Oui, chef. Vous allez créer de nouvelles armes? Attendez un peu, vous êtes des méchants, en fait. Non, absolument pas. On essaie juste de se débarrasser de ce petit arventon qui n'arrête pas de nous embêter. C'est vrai, cet individu ici présent est le grand empereur Pilaf. C'est vraiment quelqu'un de très important. L'empereur Pilaf est le fier prince du peuple Meshikia, qui régnait autrefois sur une région entière.
Je n'ai jamais entendu parler d'un empereur. Oh. Ne vous inquiétez pas, empereur. Nous allons terminer notre nouveau robot de Pilaf et nous assurer que le monde entier sache qui vous êtes. Bien, nous avons réussi à mettre la main sur certains composants de ce robot. Bien, bien, il est temps de nous faire nos adieux. Merci pour ton aide. Super. Trois badges supplémentaires, les gars. Ok. Est-ce que je peux vraiment leur faire confiance et que ces composants de robot, ils n'ont pas l'air si maléfiques que ça? J'imagine que je pourrais simplement détruire le robot s'ils l'utilisent pour semer le chaos. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a une autre quête secondaire? C'est ça la question. Il n'y a plus de quête secondaire, ça veut dire que là, je vais galérer à farmer. À farmer. Vu que j'ai débloqué les nouveaux trucs, est-ce qu'il n'y a pas des techniques après à débloquer? Non, pas pour l'instant. Ça se débloque avec les niveaux, hein, normalement. Ouais, voilà, c'est ça. C'est en fonction de l'histoire et en fonction des niveaux. Bon. Bah, on est parti pour la quête principale, hein, je pense. Allez voir Tortue Génial. Ah, si je prends un niveau de plus encore, je risque d'être un peu trop en avance. Parce qu'un niveau, c'est quand même pas mal de stats. J'ai pas beaucoup mangé, par contre. Ça pourrait être bien de se faire un petit plat... Le problème, c'est que dans ce jeu, en fait, quand on fait à manger et qu'on est tout seul, le repas vaut pour seulement Sangohan actuellement. Mais si j'avais Sangoku dans mon équipe et Krillin, par exemple, en fait, il y aurait Sangohan qui aurait les bonus, mais il y aurait Sangoku et Krillin. D'accord? Du coup, en fait, ça vaut pas le coup de tout de suite faire les repas, peut-être les préparer, mais pas les manger. Et à un moment donné dans l'aventure, quand on se retrouve avec nos alliés, dans ce cas-là, on mange tous les repas d'un coup. Et comme ça, en fait, on est genre trop bien, quoi. Bon, 700 d'XP, j'avoue, ça monte vite quand même. J'hésite, soit je farme un petit peu encore et puis on met fin à la VOD. Parce que je sais plus ce qui va se passer avec du côté de Tortue Génial. Je suis un peu sceptique de commencer une partie de la nouvelle histoire maintenant. On va ramasser quelques gemmes de toute façon. Comme ça, on est tranquille. On va pas trop galérer plus tard, c'est surtout ça le point fort. C'est que plus j'en ramasse maintenant, moins j'en aurai à ramasser plus tard. Hein. Donc, Et les rouges, c'est celles qui pêchaient un petit peu. Fini de ramasser un peu toutes ces gemmes et puis on y va. Enfin, c'est des orbes, mais... Ah bah ouais, ça c'est pratique de voler. Hein. Si seulement... Allez, dernier. Oh, quoique, là, il y a du rouge. On peut s'amuser vite fait, là. J'aime bien, c'est satisfaisant, quand même. Hein. C'est un peu chiant, mais satisfaisant.
Bah allez. Je pense qu'on va faire la pause maintenant, les amis. L'interlude. Allez voir Tortue Géniale. Bon allez, on fait Tortue Géniale et puis avant de continuer la suite, au moins ça. ちょっと人探しに出て行ってんな。人探し？ランチさんという以前うちに居候しとった女の人がいるんじゃが、最近とんと頼りがなくての。天津飯を追いかけて出て行っただけに、サイヤ人との戦いに巻き込まれたりしとらんかと心配になってな。それでクリリンやブルマたちにあの戦いのあった場所に探しに行ってもらったんじゃが。 何かあったんですか？さっきテレビを見とったら、西宮の中継映像にランチさんらしき人影が映ったんじゃ。じゃから西宮に行ってもらうために、クリリンたちの狩りを待っとるんじゃよ。そうなんですね。じゃあ僕が探しに行きましょうか。おお、それは助かるわい。ランチさんはとびきりの美人での。 パーマがかかったボリュームのある青い髪をしてある。それからタンクトップに短パンのピチピチした格好をしておることが多いの。グフフ、思い出すだけでたまらんわい。ヘロプセデ。おほん、性格はおっとりしてマイペースな人じゃ。おっとりしてマイペースな人ですね。わかりました。探してみます。 Ok. Allez, je pense que ça va être un combat. Il y a moyen que ce soit un combat et puis on va leur casser la tête, quoi. C'est par là. Ah ouais, c'est derrière la montagne. Ah, c'est Lunch qu'on cherche. J'avais loupé le nom. Je vois qui c'est. C'est elle qui éternue et qui change de personnalité, quoi. Va mal se passer, à mon avis. Hein. Elle va forcément péter un câble. Dommage qu'ils aient pas mis la mécanique. Ah! Ah bah c'est quand elle est vénère. C'est pas du tout Lunch. Quelle coïncidence. De l'XP. Au niveau 18. Alors il a pas pris le Super Matenko full puissance. Ok. Le deuxième il a pris aussi quoi. Ah
Bim, 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 bim. Allez. 1500 d'XP, super. ガキのくせにめちゃくちゃ強えじゃねえか。孫悟空みたいなやつだな。なんで俺の邪魔すんだよ。あいつらは俺の大事な地図を盗みやがったんだぞ。え、本当ですか。えっと、そのいい加減にしやがれ。これ以上しらばっくれてると ドタマ撃ち抜くぞ。すいません、出来心だったんです。じゃあ、あなたはランチさんじゃないんですか。え、ランチは俺だ。いえ、でも青い髪だって。いろいろ事情があるんだよ。ほら、早く地図を出しやがれ。 これで許してもらえます？うるせえ、死にたくなきゃとっとと失せやがれ。ふざけた奴らだったぜ。とにかく地図が戻ってきたぞ。すいませんでした。そんなことはもうどうでもいいんだよ。この地図さえありゃ あいつの家がわかるんだからな。あいつ、アンニャロを修行であちこち移動してるからな、人捨てに探してたんだ。そうなんですね。今度こそ俺に惚れさせてやるぜ。よし、待ってろよ。行っちゃった。とりあえず亀仙人さんに報告しなきゃ。 Attendez. Ok. On va sauvegarder et on finira la prochaine fois, les amis. J'espère que cet épisode vous a plu. C'est un peu décousu, c'était à la cool. Vraiment, j'ai pris le temps d'XP un peu. On fait les quêtes secondaires, on farm. Enfin bon, voilà. Je vous souhaite sur ce une très bonne journée, comme d'habitude. Pensez à vous amuser, c'est important. Passez une belle journée et à la prochaine. Salut.